Adia Audio vous présente la purification des chakras. Méditation de Doreen Virtue. À la narration, Caroline Boyer. Méditation matinale de purification des chakras. Inspirez et expirez très profondément. Ouvrez-vous peu à peu à l'énergie de guérison de votre lumière divine. Vous êtes un être parfait, entier et complet. Vous n'avez pas besoin d'ajouter quoi que ce soit à ce que vous êtes pour entrer en possession de votre pouvoir véritable. Il vous suffit de libérer les blocages qui vous empêchent de faire la pleine expérience de votre véritable nature divine et de jouir de ses bienfaits. Éveillez-vous à votre pouvoir spirituel. Ce pouvoir permet de vous guérir, de guérir les êtres qui vous sont chers et toute situation dans laquelle vous vous trouvez. Éveillez-vous pleinement à vos dons parapsychiques, car vous êtes un enfant sacré de la sagesse infinie. Commencez par vous concentrer sur la divine étincelle de lumière blanche cristalline qui brille au centre de votre région abdominale. Voyez ou sentez cette étincelle divine comme une petite flamme lumineuse à l'intérieur de vous. C'est l'étincelle de votre essence véritable, la flamme brillante de Dieu en vous. Par votre décision et votre intention, vous pouvez maintenant faire grandir cette lumière divine. Voyez ou sentez la lumière divine se répandre aussitôt en vous. Baignez votre corps entier et votre aura de cette divine flamme éclatante. Sentez sa chaleur à l'intérieur de vous vous remplir totalement d'une énergie d'amour et de paix. Maintenant, tournez votre attention vers la base de votre colonne vertébrale. Voyez ou sentez un cercle rouge lumineux tournoyant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce cercle ressemble à un ventilateur dont les pales se chevauchent. Il brille d'une superbe couleur rouge rubis. C'est votre chakra racine, le centre d'énergie associé à vos pensées et croyances concernant l'argent et la sécurité physique. Voyez ou sentez mentalement votre chakra racine et repérez les zones sombres
causée par les peurs et les inquiétudes à l'intérieur et autour de celui-ci. Il est normal pour chacun d'entre nous d'éprouver ces sentiments. Il n'y a pas lieu de les juger. Il nous suffit de les confier à notre sainte lumière pour un nettoyage, une purification, une transmutation. Tout en inspirant et en expirant très profondément, demandez à la lumière intérieure de votre Esprit Saint de nettoyer et de dissoudre toutes les zones d'ombre de votre chakra racine par cette phrase. Je permets à la lumière de dissoudre toutes mes peurs, toutes mes inquiétudes et toutes mes préoccupations concernant l'argent, la sécurité et la sûreté. Voyez et sentez votre chakra racine entièrement nettoyé, rayonnant et parfaitement déployé par cette divine lumière blanche. Prenez une profonde inspiration purifiante et affirmez : je sais que je suis parfaitement protégé à tous égards et que tous mes besoins sont remplis et satisfaits à chaque moment. Après avoir pris une autre profonde respiration, portez votre attention sur la région qui se trouve à 10 cm au-dessus de votre chakra racine. Ou percevez un cercle orange, oscillant tel un magnifique ventilateur irradiant une lumière orangée. Vous êtes présentement en train d'observer votre chakra sacré, le centre d'énergie associé à vos pensées et croyances concernant les appétits et les désirs. Explorez votre chakra sacré pour y déceler les zones sombres que des pensées empreintes de peur pourraient avoir causées. Rendez toute trace de peur et d'ombre à votre Esprit Saint de lumière divine en prononçant cette phrase. Je remets de plein gré tous mes désirs et mes appétits à la lumière. Et leur permet de s'aligner parfaitement sur la merveilleuse volonté unifiée de mon être supérieur et de Dieu. Prenez une profonde respiration purificatrice et affirmez : je suis en totale harmonie avec le flot ininterrompu d'offrandes et d'amour qui jaillit de la fontaine de lumière dorée située en mon centre. Tous mes désirs sont maintenant parfaitement équilibrés.
Après avoir pris une autre profonde respiration, portez votre attention sur la région de l'abdomen. Il y a là un beau cercle jaune tournoyant, semblable à un petit soleil radieux. C'est le chakra du plexus solaire, le centre d'énergie associé à vos pensées et croyances concernant le pouvoir et le contrôle. Voyez ou percevez dans ce cercle jaune toute zone sombre pouvant provenir de peur quelconque. Tout en prenant une profonde inspiration, cédez les ondes d'ombre et les peurs à votre Esprit Saint et votre lumière divine en déclarant « Je rends toutes mes peurs et mes combats concernant mon pouvoir et ma capacité de contrôle à la merveilleuse lumière de guérison qui se trouve en moi. Je dispose maintenant d'un pouvoir et d'un contrôle parfait. » Voyez ou sentez votre plexus solaire parfaitement nettoyé et équilibré, tandis que vous affirmez « J'accepte de bonne grâce et j'active sans crainte tout mon pouvoir dès maintenant. » Ce pouvoir provenant de l'unité avec Dieu et avec l'ensemble de la création est nourri de pure motivation à aimer et à servir toute vie. Je crée pour moi-même une journée pleine d'amour et d'harmonie, où toutes mes interactions avec les autres sont inspirées de ce pouvoir aimant. Après avoir pris une autre profonde respiration, portez votre attention vers la région du cœur. Vous verrez ou percevrez un cercle éclatant d'un superbe vert émeraude, qui tournoie comme un ventilateur de jade luminescent. C'est le chakra du cœur, le centre d'énergie associé aux pensées et croyances concernant l'amour et les relations. Explorez ce chakra avec votre vision intérieure ou en vous basant sur vos émotions, afin de repérer la présence de zones sombres issues de la peur. Dès que vous détectez une ombre, notez-en la présence sans porter de jugement et remettez-la à votre Esprit Saint et à votre lumière divine en prononçant ces mots. Je suis maintenant prêt à laisser aller toutes les peurs que j'ai à recevoir et à donner de l'amour. Je demande à mon Esprit Saint et à ma lumière éternelle de dissoudre tous les blocages qui m'empêchent de jouir pleinement de l'amour. Maintenant, prenez une respiration purifiante très profonde et affirmée.
Je m'autorise maintenant entièrement à donner et à recevoir l'amour. Je suis en sécurité et je suis aimée. Je suis aimée. S'il vous est récemment arrivé d'avoir eu peur de dire la vérité, vous verrez ou percevrez probablement des taches noires à l'intérieur de ce chakra. Laissez aller toutes les peurs qui entravent la communication avec votre lumière divine en prononçant ces paroles. J'accepte maintenant de remettre à la lumière tous les blocages qui nuisent à une communication parfaite. Je laisse aller toutes les peurs qui pourraient m'empêcher aujourd'hui de dire la vérité avec amour. Puis prenez une profonde respiration rafraîchissante et affirmez. Je permets aujourd'hui à mon être supérieur et Esprit Saint de parler à travers moi dans toutes mes communications. Je me place en retrait et je laisse l'Esprit me montrer la voie à suivre. Toutes mes communications sont parfaitement ordonnées et guidées. Prenez une autre profonde respiration. Portez maintenant attention à la région qui se trouve juste au-dessus de vos oreilles, à l'intérieur du crâne. Là, vous verrez ou percevrez deux ventilateurs de couleur rouge violacée aux pales se chevauchant et placés à un angle de 30 degrés au-dessus de chacune de vos oreilles. Ce sont les chakras de l'oreille
qui régissent votre capacité à entendre clairement la voix de Dieu et les voix qui proviennent de la dimension spirituelle. Si vous avez récemment éprouvé des difficultés à entendre votre petite voix intérieure, vous remarquerez probablement que vos chakras de l'oreille ont une couleur plutôt terne. Ravivez l'éclat de leur couleur en respirant profondément et en vous concentrant sur la lumière divine qui brille à l'intérieur de vous. Par votre résolution et votre intention, vous pouvez maintenant faire pénétrer la lumière blanche dans les chakras de l'oreille gauche et de l'oreille droite. Voyez la lumière dissoudre les vieilles peurs qui entravent votre audition spirituelle. Tout en prenant une profonde respiration, affirmez ceci. Je suis maintenant prêt à abandonner toutes les peurs que je pourrais avoir à entendre la voix de Dieu, celle de mon être supérieur, celle des anges et celle en provenance de la divine dimension spirituelle. Je suis prêt à abandonner tout ressentiment envers quiconque ayant pu dire quoi que ce soit qui m'ait été pénible à entendre. Puis prenez une inspiration très profonde et prononcez l'affirmation suivante en expirant. Je peux maintenant entendre clairement, accepter et suivre les conseils qui me parviennent dans mon meilleur intérêt et pour mon bien supérieur. Je travaille en parfait partenariat avec la voix de l'esprit, maintenant et toujours. Après avoir pris une autre profonde respiration, portez votre attention sur la région se trouvant entre vos deux yeux. Par le biais de votre vision intérieure, laissez-vous percevoir un cercle tournoyant bleu foncé, traversé çà et là par des éclairs de lumière blanche et pourpre. En regardant ce cercle, il se peut que vous remarquiez une forme ovale placée à plat, juste en face de vous. C'est votre troisième œil, votre fenêtre ouverte sur la clairvoyance et la vision spirituelle.
Demandez à votre troisième œil de relever complètement sa paupière pour que vous puissiez voir pleinement, en toute vérité et en toute clarté. Prenez une profonde respiration et laissez aller tous les blocages liés à votre vision spirituelle en prononçant ces mots. Je suis prêt à abandonner la peur de voir l'avenir. Je suis prêt à abandonner toute peur de voir la vérité. Puis, tandis que vous prenez une autre profonde respiration, ancrez votre nouvelle vision spirituelle avec cette affirmation. Je suis en sécurité lorsque je permets à mon être supérieur de voir la vérité. Ma vision est parfaitement ordonnée et illuminée par l'amour. Prenez une nouvelle respiration profonde et déplacez votre attention vers la région se trouvant juste au sommet du crâne. C'est le chakra coronal, le centre d'énergie associé à votre moi supérieur ainsi qu'à l'esprit universel, omniscient. Voyez ou percevez un majestueux cercle de couleur pourpre qui tournoie tel un ventilateur de plafond merveilleusement exotique, placé au centre d'un puits de lumière. Si vous percevez des ondes de peur ou d'obscurité dans votre chakra coronal, vous pouvez les éliminer dès maintenant en prononçant les paroles suivantes. Je permets maintenant à la lumière de mon Esprit Saint de dissoudre toutes les barrières qui me coupent de la guidance et de la sagesse divine. J'abandonne toutes les peurs m'empêchant d'écouter mon être supérieur, Dieu et les anges. Prenez une autre profonde respiration et affirmez. Je me sais en parfaite sécurité, tandis que je suis les conseils de ma guidance spirituelle intérieure. Je permets à cette guidance de me mener vers de merveilleuses opportunités de montrer ma vraie nature, c'est-à-dire celle d'un être puissant, aimant et spirituel. J'écoute, j'ai confiance, j'agis conformément au conseil divin, j'ai confiance.
Vous êtes maintenant pleinement illuminé et prêt à vivre une journée stimulante pendant laquelle votre sagesse spirituelle sera pleinement éveillée et activée. Tout au long de la journée, lorsque vous prendrez de profondes respirations, votre énergie sera renouvelée et vos chakras seront rééquilibrés et nettoyés.